tu vas te tenir debout. Please be on your feet. Tu demandes au Seigneur de te remplir du Saint-Esprit. You ask the Lord to fill you with the Holy Spirit. De renouveler tes dons. To renew your spiritual gift. Ton parler en langue, tu dois recevoir de nouvelles langues. You're speaking in tongues, you have to receive new tongues. Si ton parler en langue c'est de. If you're speaking in tongues, it's going to grow today. Tu auras au moins deux langues de plus. You will have at least two languages more. Tu, ça ne s'arrête pas dans da. It will not just end at da. Tu seras rempli. You will be filled up. Tu recevras de nouveaux parlers en langue. You will receive new speaking in tongues. Ceux qui ont rétrogradé dans le don de prophétie seront restaurés. Those who are backslided in the gift of prophecy will be restored. On a besoin de cette plénitude pour continuer. We need the fullness in order to press forward. Pour continuer. To press forward. Parce que ça fait déjà 11 jours de bataille. Because we've already done 11 days of battle. Today we are on the 12th. Il faut que tu sois restauré dans la plénitude. You need to be restored in fullness. Lève tes deux mains. Lift up your two hands. Dis je crois. Say I believe. Que Dieu a fait la promesse à l'Église has made the promise to the church de donner à chacun le Saint-Esprit. To give to each one the Holy Spirit. C'est une promesse sûre. It is a sure promise. C'est la promesse de Dieu. It's a promise of God. Je crois à cette promesse. Believe in that. I believe in that promise. I believe in that promise. Dis Seigneur. Say Lord. Remplis-moi. Fill me up. Renouvelle-moi. Renew me. Remplis-moi. Fill me up. Renouvelle mes dons. Enflamme mes dons. Enflamme mes dons. Revive my gift. Revive my gift. Enflamme mes dons. Revive my gift. Remplis-moi. Enflamme mes dons. Fill me up. Revive my gift. Maintenant. Now. Tous ceux qui n'ont jamais parlé en langue. All those who have never spoken in tongues. Parler. Speak. C'est déjà donné. It is already given. La parole de Dieu dit, the word of God says, ouvre ta bouche, open your mouth, l'Éternel la remplira. The Lord will fill it. Ta responsabilité, c'est d'ouvrir la bouche. Your responsibility is to open your mouth. Seulement, beaucoup ne comprennent pas cette expression, ouvre la bouche. Many don't understand this expression, open your mouth. Ouvrir la bouche, ça ne veut pas dire que tu restes comme ça. Opening your mouth does not mean that you remain like this. Quand on dit à quelqu'un ferme ta bouche, qu'est-ce que ça veut dire? When I tell someone close your mouth, what does it mean? Que ne tais-toi, ne parle pas. It means be silent, don't speak. Les langues sont des mots, des phrases spirituelles. Tongues are words, are spiritual phrases. Ta seule responsabilité, c'est d'avoir la foi pour prononcer ça avec tes lèvres physiques. Your only responsibility is to have faith in order to pronounce it with your physical lips. C'est tout. That's all. Dieu va mettre les mots. God is going to place in words. Si tu es incrédule, if you are unbeliever, tu as déjà perdu. You've already lost. Dis Père. Say Father. J'ai besoin de nouvelles langues. I need new tongues. Dis Père. Say Father. J'ai besoin de parler en langue. I need a speaking of tongues. Moi aussi, je veux parler en langue. I also want to speak in tongues. Je veux prier en langue. I want to pray in je tongues. Veux chanter en langue. I want to sing in tongues. Je veux être édifié par le don des langues. I want to be edified by the gift of au tongues. Au nom de Jésus, reçois et in parle. Prions maintenant. In the name of Jesus, receive and speak. Let's pray. Reçois et parle. Receive and speak. Parle des nouvelles langues. Speak. New tongues. Tu n'as pas le don. Parle maintenant. You don't have the gift. Speak now. Dieu t'a exaucé. Parle. God has answered you. Speak. Reçois et parle. Receive and speak. Reçois et parle. Receive and speak. N'attends pas l'imposition des mains. Reçois et parle. Don't wait for the laying of hands. Receive and speak. Reçois et parle. Receive and speak. Reçois et parle. Parle, parle, parle. Receive and speak. Speak. Koroba sekere, koroba sekere, koroba sekere, koroba kaseke, koroba kaseke, koroba kaseke, koroba kaseke, koroba kaseke, makasaka,
Parle. Speak. Sois rempli. Be filled up. Et parle. And speak. Prophétise. Prophesy. Parle. Speak. Reçois des visions. Receive visions. Reçois les dons spirituels. Receive spiritual gifts. Reçois les dons spirituels. Receive spiritual gifts. Parle. Speak. Parle. Speak. Reçois et parle. Receive and speak. Non. Parle. Speak. Reçois. Receive. Et parle. And speak. Reçois. Receive. Et parle. And speak. Reçois. Receive. Et parle. And speak. Korobakasekarabaka. Speak in tongues, the Holy Spirit is interceding for your case. Maintenant. Écoutez. Listen. Écoutez. Listen. Soyez concentrés. Be focused. Le Saint-Esprit est en train de prier pour chaque problème que tu as dans le cœur. The Holy Spirit is praying for each problem that is in your heart. Sois concentré. Be focused. Ce qu'il dit à Dieu. What he is telling est God. Très important. Is very important. Prie en langue. Speak in tongues. Pray in tongues. Prie en langue. Pray in tongues. Toi qui ne parles pas en langue, reçois et parle maintenant même. You that is not speaking in tongues, receive et parle. And speak. Receive and speak. Reçois et parle. Receive and speak. Reçois et parle. Receive and speak. Sois renouvelé. Be renewed. Reçois de nouvelles langues. Receive new tongues. Reçois de nouvelles langues. Receive tongues. Reçois de nouvelles langues. Receive new tongues. Reçois de nouvelles langues. Receive new tongues. Ole bakala 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 unduru sikanta ikabona uria bakase mikundi kasa ike yeta yote kiri bunderi masumba karamaze yeta rabakita kisha kita kita yeta kita kita yeta kita 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 ura kabakase mikasa ba ura bakase mikasa kabaka ura bakase mikasa baka ura bakase baka Assez-toi, tu gardes le calme. Please.
Please be seated and remain calm. Ora baka shoro baka shoro baka go baka ser baka go baka ro baka zeka baka ho baka ere baka sete 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 ere baka sete. Gardez le calme. Remain calm. Prions en langue. Let's pray in tongues. Prions en langue. Pray in tongues. Maintenant, tu te tiens debout. Now, please stand up. Si tu as un mari, if you have a husband, qui est dur et incrédule comme Jéricho, who is unbelieving like Jericho, barricadé, tu ne peux rien lui dire. Who is close up, you cannot tell him anything. Que le mur s'écroule, qu'il se convertisse. Let the wall crumble si and let him be converted. Une femme rebelle, if you have a wife who is rebellious, qui ruine tous tes efforts, who ruins all your efforts, crie, le mur va tomber. Cry out and the wall is going to crumble. Si dans ta maison, les gens vivent dans le désordre, ils fument, ils commettent le péché. If in your house people live in disorder, they smoke and commit sin. Quand tu exhortes, personne ne te suit. When you speak, no one is listening to you. Crie, le mur va tomber. Cry out and the wall is going to crumble. Et tu auras les fruits. Tu auras les fruits. And you will have fruit. Si tu es missionnaire. If you are a missionary. Tu es parti à la conquête. You went to the conquest. La ville est barricadée. And the town has been closed up. Aucune âme. No soul. Tous ceux qui se convertissent sont très superficiels. All those who give their life to Christ are very superficial. Très mondains. Very worldly. Crie. Cry out. Et pénètre la ville. Town. Que le mur s'écroule. Let the world crumble. Que tu enregistres les premières conversions authentiques. May you save genuine conversions. Si tu as une assemblée, if you have an assembly, qui ne grandit pas, who is not growing, crie, cry out, le mur va tomber, and the world is going to crumble. L'assemblée va grandir, and the assembly is going to il grow. Il y aura la croissance. There will be growth. Là, il y aura la croissance. There will be growth. Si tu as un chef, un patron, if you have a manager, qui ne t'aime pas, who doesn't love you, il veut seulement t'humilier, he only wants to humiliate you, il veut te rabaisser, he humiliates you, il veut te rabaisser,
Crie maintenant. Cry out now. Crie maintenant. Cry out now. Le mur va s'écrouler. The wall is going to crumble. Crie. Cry out. Le mur va s'écrouler. The wall will crumble. Prions. Let's pray. Ereba sakaraba sekaraba kasekaraba ka uroba kasekaraba kasekaba ka ereba kasekaraba kasaba ka randa yemakanda yamba yede yaka yada yemikuda kasaba yada yemikudere kabuta yamba yede kende yekata yere kasende kuse yere abasuku yere kasinde yere bakunde yere bakuse yere bakunde yere tandazi yanta glory dal masanga yere baltara masanga yere baltara masanga yere baltara. Ote, ote, reka, ote, ote, kere, bakotaka, yete, kere, beteke, iri, kasenge, koteke, yeta, kere, yeta, kere, yeta, kere, yeta, kere, yeta, kere, yeta, kere. Ola bakala masemeka sevaka, urabaka sevaka, urabaka sevaka, urabaka sevaka, urabaka sevaka, urabaka sevaka. Oh, Père, que le mur s'écroule, que le mur s'écroule, que le mur s'écroule, que ce mur s'écroule. Dis au Père, que ce mur s'écroule, que ce mur s'écroule, que ce mur s'écroule. Continue à crier à Dieu. Le miracle aura lieu. Le miracle aura lieu. The miracle will take place. Rebekasega, 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 Yeria busene kabuna, yere bakere basene kabuna, ore bakere basene kabuna, ore da kasere kasere kabuna, ore abakasere bakara bakasere. Soir, tu gardes le calme. Be seated. Please keep calm. Tu as la victoire. You have victory. J'ai la victoire. Say, I have victory. S'il y a un démon caché, il va partir. If there is a demon hiding, he's going to go. La parole dit, il n'y a pas de paix pour le méchant. The word of God says that no peace for the wicked. Quand je dis garde le calme, je parle aux enfants de Dieu, pas aux démons. When I say keep calm, I'm speaking to the children of God. Le démon sera toujours jugé. The demons will always be judged. Et il n'y aura pas de paix pour les démons. There will be no peace for the wicked. Point de paix pour les démons. No peace for demons. Dis démon, la parole de Dieu déclare. Say demon, the word of God declares. Il n'y a pas de paix pour les méchants. That there is no peace for the wicked. Dis démon, il n'y a pas de paix pour toi. Say demon, there is no peace for you. Allez, va-t'en. Be gone. Va, va vite. Be gone quickly. Mm-hmm.
Va-t'en vite. Be gone quickly. Gardez le calme. Keep calm. Gardez le calme, le Saint-Esprit travaille. Keep calm, the Holy Spirit is at work. Il va là où tu ne peux même pas t'imaginer. He goes where you cannot even fathom. Même s'il faut fendre les rochers. Even if he has to break rocks. Même si on t'a mis là où l'ennemi ne croyait pas que quelqu'un peut arriver. Even if you've been placed where the enemy never thought that someone could go there. Dieu, au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Je ruine. I ruin. Toute l'œuvre des méchants. Every work of the wicked. Rassemblée à Jéricho. In Jericho, gathered in Jericho. Je ruine. I bring to ruin. Je renverse. I overthrow. Je brise. I break. Si le Seigneur te dit de faire quelque chose, tu acceptes. If the Lord is telling you to do something, si te dit consacre-toi, accept. If he says consecrate yourself, c'est lui qui dirige le combat. He is the one leading the battle. Il sait ce qu'il fait. He knows what he is doing. Si te dit consacre-toi. If he tells you, consecrate yourself. Dis-lui, Seigneur, j'accepte. Tell him, Lord, I accept. Ne perds pas le temps, ça va me coûter quoi? Ce n'est pas ce qu'il demande. Don't waste time and say, what is it going to cost me? That's not what he is asking you. Accepte qu'il est ton maître, que tu lui appartiens. Accept that he's your master and that you belong to him. Et renouvelle ton amitié avec lui. And renew your friendship with him. Si te dit fais-moi un vœu. If he tells you make me a vow. Fais le vœu. Do the vow. Take the vow. Tu verras la gloire de Dieu. You will see the glory of God. Si tu finis de prier, tu dis merci, Seigneur. If you finish praying, you say thank you, Lord. Et lève ta main. Lift up your hands. Dis Satan. Say Satan. Tu as suivi ma consécration. You've heard my consecration. Elle veut dire que je n'ai pas besoin de toi. It means that I don't need you. Toi qui es entré dans la famille à travers les masques. You who got into my family through masks. Je te condamne. I condemn you. Je te frappe, je te chasse. I strike you and I cast you out.
Insistez sur les masques. Continuez à prier. Insist on masks. Keep praying. Au nom de Jésus, nous chassons toute l'armée de démons. We cast out all the hosts of demons. Derrière les masques. Behind masks. Nous vous jugeons, nous vous chassons, nous vous chassons. We judge you, we chase you. Partez. Partez. Gardez le calme. Keep calm. Gardez le calme. Keep calm. Va-t'en vite. Be gone quickly. Gardez le calme. Keep calm. Gardez le calme. Keep calm. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Nous te retirons des eaux. We remove you from the waters. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Nous te retirons des eaux. We remove you from the waters. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Nous te retirons des eaux. We remove you from the waters. Pas à moitié, totalement. Not halfway, totally, completely. Nous t'arrachons des mains de maître. We snatch you. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Toute personne. Anyone. Envoûtée dans les eaux. Bewitched in the waters. Envoûtée dans les eaux.
bewitched in the waters. Nous déclarons ta liberté. We declare your freedom. Et nous te sortons des eaux. And we bring you out of the waters. Et nous jugeons tous les esprits des eaux. We judge all the spirits of the water spirits. Si un esprit t'a suivi. If a spirit followed you. Parce que tes parents ont adoré les eaux. Because your parents have worshipped the waters. Ils continuent même. And they continue. Ou que toi-même tu as adoré. Or you've worshipped it yourself. Tu es parti sacrifier quelque chose. And you went to sacrifice something. Et à cause de ça, tu es esclave. And because of that, you are a slave. Tu as été vendu. You were sold. Et tu n'as plus de liberté. And you have no freedom. Nous déclarons que tu es libre. We declare that you are free. Au nom de Jésus de Nazareth. In the name of Jesus of Nazareth. Et nous mettons fin à toutes les oppressions dans ton sommeil. And we put an end to all the oppression in your sleep. Lève ta main, dis nous insistons. Lift up your hand and say, we insist. Dis nous brisons ta résistance et prie des eaux. We break the resistance of the water spirit. Tu dois partir, tu dois partir, tu dois partir. You must go. Dis, tu dois partir, tu dois partir. You must go, you must go. Tu dois partir. You must go. Tu dois partir. You must go. Tu dois partir. You must leave. Va, et va-t'en. Be gone.
Continuons à frapper. Il faut beaucoup de patience. Let's keep pour déloger les rebelles. You need a lot of patience in order to dislodge the rebels. Dis esprit des eaux. Say the spirit of waters. Sors. Come out. Gardez le calme. Keep calm. Qui a une vision sur ce sujet-là? Who have a vision on this topic? Qui a une vision à partager? Who has a vision to share? Est-ce qu'il y a une main? Oui, viens vite. Quelque chose s'est passé, il faut qu'on attende. Yes, come quickly. Something happened. Donnez-lui le micro. Give him the microphone. Gloire à Dieu. Quand Pasteur Meunier a dit, on a encore sa scène des eaux. Je vois les vieilles femmes là, près de l'eau, avec leurs canaries, avec leurs tables, sauts d'avant là. Il a pris l'eau, ils sont courus pour partir. Il y a aussi qui est tombé. Il s'est levé, ils sont tous partis. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je suis sœur Inès. Mon faisant des disciples, c'est la sœur Néa. Quand on prenait pour l'esprit des eaux, beaucoup d'hommes sortaient de l'eau. Ils sortaient, ils s'allaient pour sortir de l'eau. Amen. Oui, vas-y. Dieu. Acclamation. Je suis la sœur Sarah, disciple de Maman Goudi. Pendant que l'homme de Dieu parlait de l'esprit des eaux, j'étais en face d'une rivière où, comme s'ils avaient sonné une trompette, et puis j'ai vu des sirènes sortir de l'eau avec un monsieur qui était attaché depuis longtemps. Et elles sont rentrées dans l'eau, sous l'eau après. Ils ont libéré leur mentation. Acclamation. Clap offering. Je suis la sœur Squadiane, disciple du pasteur Meunier. Quand le pasteur a tourné le premier sujet sur les esprits des eaux, j'ai vu des gens qui étaient dans l'eau, enfermés dans l'eau, qu'on tirait. On les tirait des eaux, beaucoup, beaucoup de personnes. Et sous l'eau, c'était comme s'il y avait des villages même, des gens étaient comme des... Il y avait des villages... vraiment sous l'eau. Et toutes ces personnes, on les faisait sortir, on vidait tous ces villages-là qui étaient peuplés d'hommes. On les vidait complètement, on les a sortis de l'eau. C'est la première vision. Amen. 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 Et sur la sœur Diati Esther, qui est frère d'ici, Maman Colette Meunier. Avant que Pasteur Meunier a dit, on a prié pour l'esprit des eaux, j'ai vu dans une vision... Il y a une machine qui est rentrée en bas de l'eau et qui m'a soulevée dans l'eau. En ce moment, j'ai été étouffée même dans l'eau. Et puis, il m'a enlevée dans l'eau et puis il m'a remis en haut. C'est ce que j'ai vu. Amen. Délivré. Delivered. Je suis la sœur Sabine Dogo, disciple de pasteur Kwawe Emmanuel. Gloire à Dieu. Lorsque papa a donné le sujet, je me suis retrouvée parce que mon père avait chant. Et le champ était au bord de l'eau. Et je voyais que mon père, avant que je ne naisse, avait fait des sacrifices. Là, je ne l'avais jamais su. Mais c'est tout à l'heure, quand on était en train de prier, j'étais en train de voir ça. Il faisait des sacrifices. C'est comme s'il m'avait sacrifié à l'eau. Gloire à Dieu. C'est ce que j'ai vu. Tu es délivré. Amen. You are delivered. Gloire à Dieu, je suis Alice Mayenge, disciple du pasteur Louis. Tout à l'heure, lorsque pasteur Boniface a dit « si tu es dans une prison de l'eau », il n'a même pas terminé sa phrase que j'ai commencé à manifester. Je suis allée à l'équipe de délivrance, donc j'ai été délivrée de l'esprit des eaux. Au début, l'esprit résistait. Mais ils l'ont chassé et j'ai senti quelque chose sortir de moi.
et je rends grâce à Dieu. Alléluia. Oui. Yes. Ce sont des visions qui sont claires. These are visions which are clear. Et je vous ai dit que c'est des esprits qui résistent. I told you that these are spirits which resist. Mais ces esprits-là, but these spirits gardent les gens. It keeps people. On peut t'amener dans l'eau sans que tu sois même avec ces esprits en toi. They can bring you inside the waters without you having these spirits in you. S'ils sont en toi, tu sauras quand ils partent, comme la sœur a su. If they are in you, you will know when they are going, like the sister knew. S'ils t'ont gardé dans l'eau. If they have kept you in the waters. Quand on dit, on t'enlève de l'eau, ça s'accomplit comme ils ont vu en vision. When we say we remove you out of the waters, it comes to pass like the saw in the vision. Et ça peut se faire sans manifestation. And it can be done without manifestation. Mais beaucoup ont été délivrés des eaux. Many have been delivered from the waters. Nous avons vu que l'envoûtement avec les esprits de serpents, c'est une activité que l'ennemi aime. We have seen that bewitchment and the spirit of snake is an activity that the enemy likes. Beaucoup de péchés qu'on commet. Many sins that are committed. Les démons sont derrière. Demons are behind those sins. Pour te pousser. In order to push you. Donc, tenons-nous debout. So, let's stand up. Alléluia. Praise the Lord. Que personne ne rentre dans, avec un esprit de serpent derrière. Let no one go back with the spirit of snake behind him. Vous avez vu l'activité des pitons, les serpents. Dieu a condamné la pratique depuis l'Ancien Testament. You've seen the activity of the pythons and snake. God condemned it since the Old Testament. Les esprits de mort et les serpents donnent les révélations. The spirit of death and snake, they give revelation. C'est ce que les ancêtres utilisaient. This is what the ancestors use. Donc, ils sont cachés dans les vies. So they are hidden in lives. Ils sont là. They are there. Quand ta marche est, tu sens la lourdeur dans ta marche. When you feel heavy in your walk, ils sont là. They are there. Dieu te parle, lui aussi, il parle quelque chose à côté. God is speaking to you and he murmurs something beside. Pour condamner ça. You have to condemn it. Dis esprit de serpent. Say serpentine spirit. Et toutes tes œuvres. And all your work. Nous te jugeons, nous te frappons, nous we te chassons. Judge you, we strike you. Nous détruisons tes œuvres. We destroy your deeds. Nous arrivons là où tu es caché. And we go where you are hiding. Nous te frappons. We strike you. Et nous te commandons de partir. And we command you to leave. Continue à prier. Keep praying. Vite, au nom de Jésus-Christ. Be gone quickly in the name of Jesus.
Dis, nous te chassons de la famille. So we chase you out of the family. Continue à prier. Keep praying. Dis, nous te chassons de la famille. So we chase you out of the family. Nous te chassons de la famille. We chase you out of the family. Nous te chassons de la famille. So we chase you out of the family. Gardons le calme. Please keep calm. Assieds-toi. Be seated, please. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus Christ. D'un commun accord. In one accord. Nous venons au secours. We come to the rescue. De tous frères. Of all brothers or sisters. Qu'ils rencontrent une résistance. Who has encountered resistance dans son combat contre les serpents. In his battle against snakes. Nous les brisons. We break them. Nous les brisons. We shatter them. Dis-nous les brisons. We shatter them. Dis-nous venons au secours. So we come to the rescue. De tous frères. Of all brother, of any brother or sister, qui rencontre une résistance, which encounters a resistance, dans sa lutte contre les serpents, in his fight against snakes, les esprits des serpents, or the serpentine spirit, que tous les serpents, petits ou grands, all the snakes, small or big, nous te brisons, we shatter you, nous jugeons, we judge, nous cassons, we break, toutes choses sur lesquelles vous vous appuyez. All your support. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. With one accord. Au secours. We come to the rescue. Des frères qui ont à combattre les esprits des serpents. Of brothers who are fighting against serpentine spirits. We break. Nous brisons. We shatter. Nous cassons. We break. Nous brisons. We shatter. Et nous vous chassons. Partez. And we cast you out. Be gone. Partez. Be gone. Gardez le calme. Keep calm. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. D'un commun accord. With one accord. Nous venons au secours. We go to the rescue. Nous élevons nos voix. We lift up our voices. Nous dirigeons nos jugements. We send our judgment. Contre tous les esprits de mort. Against all the spirit of death. Et nous venons au secours de tout frère. And we come to the rescue of any brother. Ou de toute sœur. Or sister. Qui rencontre une résistance. Who is facing a resistance. Dans son combat contre les esprits de mort. In her fight against the spirit of death. Partez. Be gone. Nous brisons cette résistance. We break that resistance. Dieu au nom de Jésus. Say in the name of Jesus.
Nous venons spécialement contre les esprits de mort qui sont devenus les maris morts, qui sont devenus les maris de nuit. We come specially against the spirit of death who have become spirit husband. Si un mort poursuit sa veuve, if a dead follows his widow, ou son enfant, or his child, nous te brisons, we break you, nous te chassons, we cast you out. Tous les morts, all the dead, qui poursuivent leur veuve, follow their widows, leurs femmes, their wives, anciennes femmes, their old wives, ou leurs enfants, or their children, nous les chassons, we cast them out. Partez, 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 partez. Begun. Partez, partez, partez. Begun. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Si un esprit de mort, if a spirit of the dead, suit son petit-fils ou sa petite-fille, follow the grandson or the granddaughter, ou bien est en lui ou en elle, or is in him or in her, va-t'en, be gone, nous te chassons, we cast you out, va-t'en, vite, 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 be gone, quickly, quickly. Gardez le calme. Keep calm. Il y a une sœur qui a rendu témoignage. There's a sister who gave her testimony. Que la tête d'un poulet est sortie de sa joue. Où est-elle? There was the head of a chicken that came out from her jaw. Where is she? Est-ce qu'elle est là? Is she around? Qui a rendu témoignage que elle arrive? She's coming. Yes, please stand here. On va prier contre les maladies qui proviennent des envoûtements. We are going to pray against sicknesses which comes from bewitchment. Un exemple. She's an example. Donnez-lui le micro. Give her the microphone. C'était toi? Ok. Ta maladie a commencé comment? How did your sickness start? Oui, parle. Gloire à Dieu. La maladie avait commencé quand j'étais enceinte 2 mois. Et ça avait commencé comme c'était mes dents qui me faisaient mal. Vraiment, je n'ai pas pris ça au sérieux. Et ça me faisait mal. Ça continue. Je ne dors pas. Il faut dire que je ne dors pas. Quand je dors la nuit, je m'assois jusqu'au matin, je prends les médicaments, ça ne va pas. Et vraiment, on m'a demandé d'aller arracher le dent. Et je suis allée arracher le dent. Quand j'ai arraché même, maintenant c'est devenu pire même. Il faut dire que 2 semaines après, ma tête est devenue gros comme ça. Vraiment, je ne pouvais pas manger. Je ne pouvais pas dormir. Quelqu'un qui est enceinte, l'eau même pour boire, le garçon qui était avec lui, il va attraper ma tête comme ça et ils vont mettre l'eau dans la cuillère pour mettre dans ma bouche. Il faut dire que j'ai beaucoup souffert. Jusqu'en 9 mois, on a opéré ma joue. Il y a des lots qui sont sortis dedans. Mais toujours, c'est la même. Gloire à Dieu. Amen. J'ai beaucoup souffert. Les enfants étaient dans le ventre. Le médecin même qui est dans notre village, il a demandé vraiment, quand j'étais tombée dans l'hôpital, j'étais vanuée. Et il a demandé d'aller à Bongwanou. Donc, aller à Neve, l'enfant qui est dans le ventre.
que pour moi-même, en tout cas, c'est déjà fini. Et c'est dans ça, il y a mon oncle Abidjan ici, il a appelé directement à Bongo, on m'a envoyé. Et le médecin a dit que non, on va faire fort. Gloire à Dieu! À ce temps, je ne connaissais pas Jésus, mais je partais dans les prières pour aller prier et je nettoyais dans les églises. Ça fait que Dieu était avec moi. C'est dans ça que Dieu m'a élevé dedans. Souvent, là, j'étais pourri il y a longtemps. Et c'est dans ça que j'étais. Le jour, le os est enlevé là-bas. Le jour, c'était le jour de mardi. Le os est sorti dans ma bouche où ils ont opéré. Et c'est ce jour-là, mercredi, j'ai accouché les deux jumelles. Gloire à Dieu. Et depuis cela, je ne peux pas charger quelque chose sur ma tête. Je ne peux pas. Quand je charge quelque chose net, ma tête me fait mal. Ma joue me fait mal. Et c'est ainsi que hier, le Seigneur a opéré le miracle dans ma vie. Et il a nevé le tête de poulet dans ma joue. Vraiment, je me dis infiniment merci à Dieu. À lui toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Il l'a enlevé comment? Dis comment? How did the Lord remove? Say what happened. Dieu, quand je suis venue à Tiekwa, je suis partie. Dans la cuisine des semaines, c'est maman Carole qui m'a demandé de partir. Et on allait chercher, marcher au bord ici pour aller. Ces poissons seulement que j'ai chargés. Arrivé là-bas, je ne pouvais rien faire. Et en songe, c'est comme les mamans et Émilie sont venues me rendre visite pour demander comment tu vas, ma fille. Je dis, maman, je ne me va pas bien. En tout cas, je ne peux pas, que la douleur est encore là. C'est de là que j'ai vu deux mains qui a demandé à maman et Émilie d'aller payer l'âme pour envoyer. Et maman a demandé, ils sont allés payer l'âme, ils ont envoyé. Et la personne, c'est deux mains, il a attrapé ma tête comme ça. Et un, la lame est dedans. Et il l'a coupé ici, juste où on m'a opéré avant. Il l'a coupé là. Et les bouts de sang, j'ai quitté dedans, quitté. Ma bouche était remplie du sang. Et gloire à Dieu, c'est par là que tête de poulet est sortie par là. Et il a dit, voici ce qui te fatiguait avant. Gloire à Dieu! Quand il a fini, il a rincé ma bouche avec de l'eau et il a fermé comme ça. Et c'est fini, je n'ai plus senti du mal. Matin, je me suis levée, je touche, il n'y a rien. Juste dans ce temps. Jesus Christ. Merci à Dieu, lui qui m'a délivré d'envoûtement. Il m'a guéri. Alors toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Avant de prier le dernier sujet. Before we pray the last topic. Qui va nous conduire à des guérisons miraculeuses. Which is going to lead us to miraculous healing. On va prier que si quelqu'un a mal, qu'il y a ça c'est un envoûtement. This is a bewitchment. Personne ne pouvait la guérir. No one could heal her. L'hôpital ne pouvait rien. The hospital could do nothing. Les marabouts ne pouvaient rien. Which doctors could do nothing. Même l'église, si l'église n'est pas guidée par le Saint-Esprit, on ne peut même pas savoir ce qu'elle a. Even the church, if the church is not led by the Holy Spirit, we cannot even know what she's suffering from. Parce qu'elle allait dans des églises. Because she was going to churches. Le diable sait que c'est un sujet très important. The devil knows that this is a very important topic. Il ne veut même pas assister à ce combat-là. He has gone. He does not want to assist to this battle. Ce qu'elle a dit là et ce qu'on planifie là, elle dit je m'en vais. What she said and what we are planning, he just said I'm going. Et elle n'est pas le seul. And he's not the only one. Certains sont partis sans bruit. Some left in silence. Tenons-nous debout. Let's be on our feet. Lève ta main. Lift up your hand. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. S'il y a parmi nous. If there is someone in our midst. Un frère, une sœur. A sister or a brother. Et même parmi ceux qui sont avec nous en ligne. Or even with those who are with us online. S'il y a quelqu'un qui souffre de mal. If there's someone suffering from a pain,
qui est le résultat, qui est le fruit d'un envoûtement. Which is as a result of a bewitchment. Un fer dans son corps. An iron in his body. Dans son corps spirituel. In his spiritual body. Une aiguille. A needle. La tête d'un poulet. The head of a chicken. Ou de tout autre animal. Or of any other animal. Tout ce qui vient de l'envoûtement. Everything which originates from bewitchment. Nous levons nos mains. We lift up our hands. Pour prier, pour venir au secours de ce frère et cette sœur. To pray and to come to the rescue of that brother and sister. Nous jugeons ce mal. We judge that pain. Nous jugeons ce mal. We judge that pain. Et nous opérons la sœur. And we operate the sister. Ou le frère. Or the brother. Nous enlevons tous les objets spirituels. We remove all the spiritual objects. Qu'on a mis dans son âme, dans son corps. Which was placed in her soul, dans son corps spirituel, in her spiritual body, pour provoquer une maladie incurable, to provoke an incurable disease. Tu es guéri. You are healed. Tu es guéri. You are healed. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. You are healed. Tu es guéri. In the name of Jesus. Tu es guéri. You are healed. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Tu es guéri. You are healed. Tu es guéri. 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 You are healed. Dis-nous insistons. So we insist. Tout frère ou toute sœur. Any brother or sister. Victime d'un envoûtement. That is victim of bewitchment. Qui a consisté à mettre dans son corps spirituel. Which consists in placing in her spiritual body. Les organes d'un animal. Organs of an animal. Ou les objets. Or objects. Tels que les lames, les aiguilles, razor blades, needles. Les boîtes vides. Empty boxes. Les morceaux de bois. Woods. Les épines. Tout. Everything. Nous déclarons. We declare. Que tu es guéri. That you are healed. Nous déclarons. We declare. Que ce frère. That brother. Que sa sœur sont guéris. That sister is healed. Pose les mains sur ta tête. Lay your hands on your head. Il se pourrait que ce soit moi-même. Say, it could be me. Je déclare que je suis guéri. I declare that I am healed. Je déclare que je suis guéri. I declare that I am healed. Je déclare que je suis guéri. I declare that I am healed. Je sors de mon corps. I come out of my body. Tous ces objets qu'on a placés. I bring out of my body all these objects. J'enlève de mon corps spirituel. I remove from my spiritual body. Tous ces objets démoniaques. All these demoniac. Introduit dans mon corps spirituel. Introducing my spiritual body. Pour me rendre malade. To make me sick. Que cette maladie disparaisse. Let that sickness disappear. 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 Maladie disparaît. Sickness disappear. Que les objets d'envoûtement soient brûlés. Let the objects of bewitchment be burned. Brûlés. Burn. Brûlés. Burn. Et que cette maladie disparaisse. And let that sickness disappear. Qu'elle disparaisse. Let it disappear. Que de ma tête. From my head jusqu'à la plante de mes pieds, to the sole of my feet. Que la santé soit parfaite. Let me have perfect health. Perfect. D'ici quelqu'un, say if someone m'a touché, touched me spirituellement, spiritually, et a laissé les marques sur mon corps spirituel. And he has allowed marks on my spiritual body. Je déclare. I declare. Que je suis guéri. That I am healed. Je déclare. I declare. Que je suis libre. That I am free. J'efface ces marques. I erase. I wipe out these marks. I wipe out these marks. J'efface ces empreintes. I wipe out these prints. Sur mon corps. On my body. Je proclame. I proclaim. Que je suis guéri. That I am healed. Je proclame. I proclaim. Que je suis guéri. That I am healed. D'ici quelqu'un m'a touché. If someone touched me,
spirituellement. Spiritually. Et a laissé une maladie. And has left the sickness. J'ordonne à cette maladie. I command to that sickness. De retourner chez la personne. To go back on that person. Je chasse cette maladie de mon corps. I cast out that sickness. Je déclare. I declare. Qu'au nom de Jésus, je suis guéri. In the name of Jesus, I am healed. D'ici, quelqu'un m'a envoûté. If someone has bewitched me. À partir du contact physique. From physical contact. Lors d'une salutation. Through a greeting. Avec poignée de main. With a handshake. Ou d'une embrassade. Or a kiss. Ou d'une accolade. Or a hug. Ou d'un baiser. Or a kiss. Et il m'a envoûté. And he has bewitched me. Il m'a laissé la maladie. And he has allowed sickness in me. Ou la malédiction. And curse. Il a laissé le rejet. He has lived le mépris. Rejection. Je déclare. Despise. Que je suis libre. That I am free. Je déclare que je suis libre. I declare that I am free. Et je lave mon esprit. Je lave mon corps, mon âme, mon esprit. And I clean my body, my soul, my spirit. Je lave mon corps, mon âme, mon esprit. I clean my body, my soul, my spirit. Dans le sang de Jésus. In the blood of Jesus. Dans le sang de Jésus. In the blood of Jesus. Si une sorcière a envoûté une sœur. If a sorcerer has bewitched a sister. Ou un frère. Or a brother. À partir des médicaments qu'il lui a donné pour se purger. Through the medication that they gave her. Je déclare. I declare. Que cette sœur, ce frère sont libres. That the brother and the sister, they are free. Que cet envoûtement est cassé. That the bewitchment is broken. Cassé, 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 cassé. Broken. D'ici que si quelqu'un a été envoûté, if someone has been bewitched, à travers une feuille où il y avait son écriture, through a paper where there was his writing, on a volé la feuille, they stole the paper, on l'a envoûté avec son écriture, and they bewitched him with his writing. Nous te séparons de cette feuille. We separate you from that paper. Nous te séparons de cette feuille. We separate you from that paper. Et nous jugeons les démons. And we judge the demons. Va-t'en. Be gone. Tout esprit qui a suivi. Any spirit which followed. À cause de cet acte. Because nous of that. Nous te chassons. We cast you out. Vite, vite. Be gone quickly. Veuillez vous asseoir. Be seated. 10 personnes qui ont des témoignages d'une minute. 10 personnes. 10 people who have testimonies of 1 minute. You have the floor. 10 personnes. 10 people. Comptez 10. Count 10 people. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Rachel, mon frère d'ici, c'est Maman Kouadjane. J'ai deux brefs témoignages. Je voulais dire merci à Dieu. Lorsque le pasteur Meunier a dit de prier pour renverser les masques, le Seigneur m'a envoyé en esprit dans la famille de ma mère. M'a montré toutes les maisons, même les maisons qui sont actuellement cassées. C'est comme si les maisons étaient encore là. M'a fait visiter une chambre dans laquelle
il y avait un canari. La chambre, là, je suis déjà entrée dans la chambre, mais je n'ai jamais vu le canari. Et le canari a été brisé. Au fond du canari se trouvait un singe et un chien. Et j'ai attrapé le singe, j'ai coupé sa tête. Alléluia. Le deuxième, tout à l'heure, lorsqu'on priait, parce qu'il faut dire que j'étais en troisième, ma première année de troisième, qu'on est allé composer, ma grande soeur était assise derrière moi. Moi, j'étais devant elle. Et le deuxième jour, à la veille du deuxième jour, j'ai fait un rêve où quelqu'un a échangé. Je me suis déplacée pour aller dans les toilettes. Et à mon retour, j'ai vu quelqu'un qui a échangé ma feuille. Et tout à l'heure qu'on priait, j'ai vu la personne venir me donner ma feuille. Je voulais dire infiniment merci au Seigneur. Que l'honneur et la gloire lui reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Suivant. Là, Dieu. Si vous me voyez beaucoup dans le témoignage, c'est que Dieu a fait beaucoup de choses pour moi. Tout à l'heure, papa m'a appelé pour me demander qu'est-ce qui s'est passé dans ma maladie. Il faut dire que tout à l'heure, quand papa en jugeait les démons, et il faut dire que je me rappelle très bien, au village là-bas, il y avait ma grand-mère qui fait toujours jalousie sur moi que j'ai fait beaucoup d'enfants. Et c'est la vieille là que j'ai vue tout de suite en vision, que vraiment elle était arrêtée devant moi, elle attachait foulard. Et quand on a commencé à juger, elle dit, tu es venue ici. Tu n'étais pas empêché de ne venir pas ici. Tu es venue ici. Quand elle dit qu'au nom de Jésus, c'est toi, tu me fatigues dans ma vie. Quand j'ai dit comme ça, elle a crié, elle est tombée. Elle est restée là. Elle est morte. Faut Jésus, dire que... acclamation à Jésus. C'est un miracle. It's a miracle. Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Amen. Faut dire que quand ma tête me faisait mal, le monsieur à qui était avec lui, il m'envoie chez les marabouts pour aller chercher des médicaments. Je disais que je ne vais pas, mais je souffre. Il m'envoie. Quand on arrive net, c'est elle qui vient demander quand vous êtes parti là. Ils disent quoi? Et ils ont dit quoi là-bas? Ils ont dit qui est en train de la tuer? Et le monsieur dit non, ils n'ont pas dit nom de quelqu'un. Quand on dit c'est une maladie, il y a vraiment Dieu est merveilleux. Dieu est bon. Dieu est bon. Infiniment bon. Je dis grand merci à Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ m'a délivré. Le Seigneur m'a délivré. Le Seigneur m'a délivré. A lui toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui. Gloire à Dieu. La voilà qui part. Moi, je voulais dire merci à Dieu qui lui-même m'a délivré aujourd'hui. Pas vous dire, quand les semaines avaient commencé à chanter le premier show, j'étais assis. Et j'ai prié. Et j'ai vu. Il y a un bébé qui était devant moi et ils sont lui donner à manger. Puis il y a une main qui est venue saouler ce bébé qu'ils sont lui donner à manger pour jeter dans la poubelle. Quand il a vu cela, il me commence à me sentir bizarre. Et je suis partie de l'équipe de délivrance et ils ont prié pour moi. Quand il était là à prier pour moi, il crachait beaucoup. Il y a certaines quelque chose qui était dans ma gorge. Ça avait sorti, mais c'est ça va comment que ça a sorti. Et qu'elle a prié pour moi, je me suis sentie libérée. Et quand j'étais assise là, j'ai vu que cet esprit-là voulait venir encore. Et j'ai jugé cet esprit, je me suis sentie libérée, mais sans bien. Je voulais dire merci à Dieu, lui-même qui m'a délivré au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Moi, c'est le frère quoi Dieu fait, non? D'ici, j'ai passé trahi. Bien aimé, il faut dire que quand on a commencé à prier, j'avais une douleur au niveau de ma poitrine. Au fur et à mesure qu'on priait, la douleur était intense. Mais quand j'ai pris l'initiative de prier avec intensité, la douleur a disparu. Donc je vais rendre toute la gloire à Dieu de m'avoir guéri. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. On sait quoi Dieu, Aou, Rebecca, Elsa, l'homme, on faisait des disciples. C'est le pasteur Ebenezer Yapo. Lorsqu'on priait, j'ai une vision. C'est comme si je marchais sur une voie et j'ai croisé une femme. La femme, c'était ma mère. Donc, je l'ai croisée. Puis, elle me disait, tu es parti faire quoi là-bas? Je dis, ça, ce n'est pas ton problème. Je viens t'arracher ce que tu as pris dans ma main depuis mon enfance. Elle dit, tu es parti faire quoi là-bas? Je dis, je suis parti faire quoi où? Elle dit, tu es parti faire quoi là-bas? Il dit, je te donne, je dis, donne ce que tu m'as pris. En même temps, elle a enlevé une robe blanche, elle a remis dans ma main. Il dit, non, ce n'est pas encore fini, il y a quelque chose encore que tu dois me donner. Elle a enlevé une costume d'homme, elle a remis encore dans ma main. Et j'ai commencé à prononcer le feu sur elle maintenant. J'ai lancé le feu, elle a commencé à fuir, elle a disparu. Donc, après cela, j'ai eu une deuxième vision.
Ça, c'est comme si pendant que les frères proclamaient, j'étais là, je me sentais faible, j'étais étouffée. Et j'ai une vision, c'est comme s'il y a une femme qui attrapait ma main et les frères qui priaient aussi attrapaient l'autre main, dont les deux luttaient. Pendant que les frères tiraient, elles tiraient l'autre. Pendant que les frères tiraient, elles tiraient l'autre. Quand les frères ont pu m'arracher dans les mains, j'ai repris conscience et j'ai roté tout d'un coup fortement comme cela. Donc je voulais rendre gloire à Dieu qui vient de me délivrer de l'esprit des sirènes des eaux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je suis le frère Gay Sylvain, disciple de Pasteur Langui Paulin. Alléluia. Dieu vient de me guérir la migraine depuis 2013 qui me fatiguait. Alléluia. Faut dire depuis 2013, je souffrais. Quand ils m'ont entré en sixième, pour écrire même, je ne peux pas. La migraine me fatiguait. Et aujourd'hui, quand je priais, je vois une pierre noire sortie de ma tête. Alléluia. Je suis guéri, je suis guéri. Je dis merci à Dieu pour ma délivrance au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. C'est le frère Jésus Anselme. Mon frère d'ici, c'est le pasteur Salé. Il y a eu deux visions. La première vision, il y a vu l'oracle sur le pasteur Meunier, qui était plus grand que celui de son interprète. Et je pensais que non, que j'avais mal aux yeux. Je regardais, j'essayais de suer mes yeux. Mais ce n'était pas ça. J'ai ouvert les yeux encore, il voit la même chose. Et cet oracle s'est propagé sur le peuple. Et Dieu me dit que c'était une bénédiction qui est descendue sur ses enfants. Et la deuxième révélation, lorsqu'on priait, au moment de, lorsqu'on priait pour parler en langue, il voit qu'il pleuvait. Il pleuvait très fort. Ceux même qui se cachaient en bas des bâches, ils étaient encore mouillés. Et les suivants disant que Dieu venait pour purifier et bénir ses enfants en Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Karen Dro, disciple de Maman Colette. Tout à l'heure, quand on priait, j'ai eu une vision. Je me suis retrouvée au village où je voyais beaucoup de grands canaris tomber par terre. Et j'ai vu tous ces canaris-là briser, les unes après les autres. Et il y avait des âmes qui sortaient dedans. Et ceux qui avaient retenu captives, toutes ces âmes disaient, « Mais qu'allons-nous faire? Qu'est-ce que nous allons devenir ?» Je dis, « Je retire l'esprit qui est en vous, qui vous permettait de faire ça. Et je jette cet esprit-là dans les abîmes. Je les ai libérés pour qu'ils donnent leur vie à Jésus. Gloire à Dieu. » Et je suis dans le jeûne pour les dirigeants. Et pendant la bataille, j'ai fait un songe où j'ai vu un canari sur de l'eau en direction des dirigeants de notre secteur. Et ce soir-là, le Seigneur venait de briser ce petit canari avec ce bandeau rouge qui était dessus et libérer. Je veux rendre toute la gloire au Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Moi, c'est le frère Charles Kouvitechmi et j'ai pour vous faire des disciples, pasteur de Gonzague. Il faut dire, pendant qu'on est en train de prier intensement, j'ai eu une vision où je voyais une grosse tortue sortie de ma vie. Durant toute ma vie, depuis l'école primaire, le secondaire, qu'on appelle l'université, tout ce que je faisais dans tous les aspects de ma vie, c'était le retard. Et pendant qu'on priait intensement, je priais de tout mon cœur. Et dans la vision, j'ai vu une grosse tortue sortir de ma vie. Je veux rendre toute la gloire à Dieu de m'avoir délivré de l'esprit de retard. Acclamation à Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur. Je suis la sœur Gourène Charlotte-Louise, disciple du pasteur Boniface Meunier. Et c'est une grande bataille que nous venons de livrer contre le camp de l'ennemi. Quand nous avons fini, le pasteur nous a dirigé à venir danser pour le Seigneur. On a commencé, je vous assure, le ciel s'est grandement ouvert. Et il y a eu une catégorie d'anges, c'était des anges spécialement envoyés pour la bataille, pour cette bataille de ce soir. Et ces anges sont descendus avec des engins, c'était spécial. Et ça a couvert tout le ciel où nous sommes. Et il se déplaçait pour diriger la bataille depuis le ciel. Et le pasteur Meunier dirigeait la bataille ici de façon terrestre. Gloire à Dieu.
Et cette bataille, moi, je l'ai vue depuis le mercredi. Il a dirigé la bataille contre les résistants. Depuis, il ne cesse de dire les esprits qui résistent. Et c'est la première fois que le Seigneur m'a ouvert les yeux pour voir les esprits qui résistaient en question. Parce que le pasteur, depuis, il insiste. Et c'est le mercredi que Satan lui-même, il était derrière là-bas. Il y avait, tout était noir. Mais par la grâce du Seigneur, mes yeux encore vont voir le Seigneur Jésus qui se tenait là. Et lui ne faisait rien. Il regardait seulement pour dire, bon, ceux-là, ils vont faire quoi? Et l'ennemi disait, Satan lui-même disait, vous voyez là, ce sont mes éléments, je suis allé les prendre pour vous résister. J'ai trop perdu, vous m'avez trop ruiné. Parce que le pasteur disait, nous ruinons, nous taillons en pièces ici. Il partait comme ça, il revenait. Et c'est comme ça qu'il était très fâché. Il est descendu lui-même, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ce sont ceux-là qui sont en train de faire des dégâts dans mon camp. J'ai trop perdu. Il parlait, le Seigneur n'a même pas permis que je puisse entendre certaines choses qu'il disait, parce que c'était des blasphèmes. Et j'ai entendu seulement quand il disait, j'ai trop perdu, ils m'ont ruiné, ils ont ravagé, ils ont tout saccagé. Ça, ce sont mes éléments les plus forts. Et ils n'étaient même pas nombreux. C'était juste par rapport à nous. Nous étions nombreux derrière le Seigneur. Et directement, le Seigneur va me montrer que lui-même, il est là avec ses éléments. Juste derrière lui, toute son armée est venue rendre, ils jetaient, ils nous lançaient nos affaires. Allez, prenez! Et ils couraient, chacun venait jeter. Et nous, chacun de nous rattrapait ces choses. Et Satan n'était plus là. Et les soi-disant résistants n'étaient plus là. Ces hommes forts, oh, je ne sais pas si c'est ça, c'était des principautés ou quoi. Ils ont disparu. Le Seigneur aussi n'a rien dit. Il n'a même pas participé à quoi que ce soit. Il souriait seulement. Nous étions restés seuls. Le pasteur est parti. C'était la fête ici. C'était avant-hier là. Gloire à Dieu. Donc vraiment, je voudrais bénir le nom du Seigneur pour ces batailles qui sont en train. C'était une bataille rangée. Nous, derrière le Seigneur, élu avec ses résistants, et nous avons tout remporté. Nous sommes partis avec nos biens. Ils nous ont rendus. Gloire à Jésus. Amen. Pose les mains sur ta tête. Put your hands on your head. Je me plonge dans le sang de Jésus. I cover myself under the blood of Jesus. Esprit, âme et corps. Spirit, body and soul. Aucun démon ne me suive. No demon should follow me. Aucun démon ne se tienne sur le chemin. Let no demon sur mon chemin. On my way. Aucun démon n'aille dans ma maison. Let no demon go to my house. Aucun démon ne touche à ma voiture. No demon touch my car. La moto, le tricycle, le vélo. My motorcycle, my tricycle, my bicycle. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Que mur de protection soit bâti sur tout ce que nous avons gagné ce soir. Let a wall of protection be built around everything that we have gained this evening. Que tout ce qui a été ruiné dans le camp de l'ennemi ne soit jamais reconstitué. Let everything that was ruined in the camp of the enemy be never built up. Que ceux qui ont été dispersés ne soient jamais rassemblés. Let that which was scattered be never brought together. Mais que tout ce qui a été bâti pour notre progrès, pour la gloire de Dieu, résiste et demeure. Let everything that was built up for our progress, for the glory of God, resist and remain. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Amen. Christ. Amen.